L'écrin à la vieille Europe. Ah, les affaires reprennent. Pourquoi faire appel à mes services? Parce que vous êtes la plus qualifiée pour ça. Et autant vous dire que vous feriez mieux de rester à couvert. Vous devrez faire preuve de la plus grande discrétion. Je l'ai bien compris. Cette mission est prioritaire sur toutes les autres. J'accepte. Cet écrin sera vôtre sous peu. J'enverrai un de mes hommes tâter le terrain. Bien. Préparez les bagages. Nous repartons pour la France dans 2 jours. Bien, madame. Ah ! Et dites à père que nous avons retrouvé l'objet supposé changer le monde. Oui, madame. Conjonction. Les chiffres ne peuvent pas mentir. L'arche sacrée. Thank you.
Bonjour, demoiselle. Vous avez une chambre pour Draxton G. Marcy de réservée, côté fleuve. Oui, monsieur. Je vais préparer la chambre. Numéro 23. Merci. Vous auriez des messages ? Non, monsieur. Quelle salle nous avons ? Ah, qui dites-vous ? À qui ai-je l'air ? Dis-moi, Sarkas. Et vous ? Draxton G. Marcy. Et qu'est-ce qui vous amène par ici ? Des affaires ? Et vous ? Oh, comme tout le monde. Qu'est-ce que ce potin nous raconte sur la vieille Europe ? Oh, apparemment un cambriolage qui aurait mal tourné. Chez un antiquaire et le port de l'enseignement. Monsieur ? Oui ? Bien. Enchanté de vous avoir connu et merci pour ces nouvelles. Bonne journée. C'est ma fatigue. Ça vous dirait une petite pause ? Assurément, monsieur. Ok. Il n'y a pas mille endroits où se procurer un tel cigare. Il me reste un peu de temps avant la fermeture. Excusez-moi, il semble que vous travaillez à la manufacture. Oui, en effet, mais elle vient de fermer, là. Donc, si vous pouvez attendre demain, c'est bon. J'en ai pas pour l'instant. J'aimerais que vous me renseigniez sur ceci. Assurément, c'est un Gustav Block, un excellent produit. Nous en apportons de Hollande depuis des années. Bien. Quelqu'un vous en a acheté récemment ? On donne nos clients habituels. La semaine dernière, en effet, un homme d'origine hongroise, dénommé Vilmos Farkas. Gaz ou Farkas, quelque chose dans le genre. Il est venu les acheter ici ? Non, uniquement sur livraison. La livraison de tel se situe non loin d'ici. Mais vous me gênez avec vos questions. Vous ne serez pas de la Rousse par hasard ? Non, c'est un peu curiosité. En tout cas, nous n'avons pas envie de dire, monsieur. Au revoir. Bonne journée. Bien. Je vais aller à l'hôtel le plus proche. Je cherche Vilmos Farkas.
Désolé, monsieur, il n'est plus ici depuis... Je suis bien arrivé, mais un peu tard, il semblerait. Merci. Tout a déjà commencé, je peux le sentir. Ce que je cherche, cet écrin, m'a échappé et apparemment mes concurrents n'ont pas l'idée de l'importance des enjeux et des forces qui nous dépassent. Bonjour, mon capitaine. Repos, lieutenant. Nous ne sommes pas seuls à rechercher l'écran, mon capitaine. D'après les rumeurs, il y aurait plusieurs aventuriers dans la ville. Vous avez des preuves ? Pour ma part, j'en compte déjà deux. Un austro-hongrois qui fait étalage de l'affaire avec un manque de discrétion déconcertant. Et la deuxième personne serait une femme. Continuez. Malheureusement, je n'ai pas pu apprendre beaucoup à son sujet. Elle apparaît et disparaît à chaque fois. On croirait avoir affaire à un véritable fantôme. Ce qui m'embête le plus, c'est qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui sont arrivés depuis ces deux derniers jours. Ce ne peut pas être une coïncidence. En effet, l'écran se trouvait il y a peu chez un antiquaire, celui dont il était question dans les journaux. Et depuis la mort de cet antiquaire, l'écran a disparu. La personne qui est venue s'en est forcément emparée. Enquêtez sur ces étrangers, peu importe leur nom. Leur apparition soudaine ne me plaît pas du tout. Entendu, mon capitaine. Bon, lieutenant. À vos ordres, mon capitaine. C'est ce que vous m'aviez demandé. Pourquoi pas l'avoir demandé à votre lieutenant ? Vous m'avez l'air capable. Il est compétent, mais très à cheval sur les règles. Et je ne tiens pas à ce que ma hiérarchie suive le moindre de mes mouvements. Comme vous voulez. Disposez maintenant. Suite à votre ordre de mission, je me suis mise en place et commence à collecter toutes les informations pour cela. Mes contacts m'indiquent une opposition mal identifiée, mais capable de contrarier notre obtention de l'écrin. Après leur identification, je me chargerai de les isoler et d'éliminer toute menace définitivement. Thank you.
français, vous êtes scellé dans l'art de la gastronomie et du bon vin. Vous êtes introduit chez moi pour me complimenter sur ma table? Non, bien sûr. Disons que les autorités ont le devoir d'accueillir les nouveaux arrivants. Les autorités? Disons que je vous ai à l'œil. Comment? Je viens de rentrer du Soudan français aujourd'hui. Nous le savons. Et je vois que je n'ai pas affaire à un fantôme. Ah, je ne suis pas la seule chez qui vous venez boire un verre. Ah, amusant. Mais je ferai tout pour protéger l'Empire. C'est pour ça que vous êtes là à boire mon vin? Ne seriez-vous pas plus utile ailleurs? Des traîtres comme vous! Comme moi? J'en fais mon affaire. Et je vous préviens, je vous ai à l'œil. Il y a des traîtres partout, lieutenant. Chère sœur, je suis arrivée il y a peu, espérant goûter les plaisirs passés de l'Europe. Mais quelle tristesse de retrouver le manoir. Combien d'étés avons-nous passé à arpenter ses couloirs et ses jardins en nous imaginant chevaliers ou magiciennes. Mais aujourd'hui, seuls les vents froids le parcourent. Et tout particulièrement un mauvais vent qui empeste l'autorité. Tu pourras dire à père que je risque de rencontrer quelques difficultés. Je ne suis pas la seule sur cette affaire et l'armée a choisi de me mettre des bâtons dans les roues. En espérant te retrouver bientôt, ta sœur qui t'aime. Où est-il? Où est monsieur Farkas? Il est parti tout à l'heure, monsieur, sitôt votre départ. Oh, c'est pas possible, j'aurais dû lui demander qui est mort. Sur la piste de l'écrin, stop. A trouvé concurrence, stop. Attends, nouvelle instruction, stop.